Alors on y est presque, hein, il y a pratiquement une minute. Pareil, donc là on va passer à l'un des plus grands portraits en bas. Je sais pas si vous allez pouvoir voir les détails, je vais essayer de les rendre visibles. C'est la raque à un YouTube. Je sais pas dans quelle mesure vous la voyez. C'est un super sujet. Premier cadre. On pose. Hop. Dans la chambre, on peut rabattre ceci. Deuxième cadre. J'espère que vous y voyez toujours clair. Voilà, super. Bon, vraiment, on découle une toute petite couche très très fine. Hein. Petit sursaut là, soit quand même un peu régulier la couche. Enfin, pas un peu, pour que ça soit complètement. Voilà. Une fois que ça coule, on s'appelle du papy. J'ai risque après de faire des petites surcouches à certains endroits qui ne sécheront pas pareil, hein, mais qui risquent de sauter au moment où les dépouille. Ça, il faut faire attention à ça. Hop, ça approche de la fin. Et le petit dernier, que voici. C'est avant d'obtenir un beau rectangle parfait et lisse de haut en bas. Donc ça veut dire qu'essentiellement votre rack doit vraiment être très horizontal, hein. Et ça peut être compliqué quand vous avez comme moi une vieille maison, donc le cadre est forcément posé de travers sur le sol. Il n'y a pas d'horizontal ici. Et voilà. Là, c'est bon, on rebouche comme ceci. Comme ceci, j'ai deux petits aimants
qui permet d'obturer le tissu noir de la chambre. On va récupérer à la Maryse tout ce qu'on peut récupérer pour ne rien jeter de l'émotion, bien sûr. Alors, oui, changement d'ambiance. Hein. Alors. Ça, c'est pas dans toutes les chaînes que vous verrez des trucs pareils. C'est sûr que. Vous venir ici hein, pour voir ça.